Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de Mass Effect de l'histoire principale. Vous avez encore quelques vidéos annexes pour tout ce qui est le codex. Mais on vient de s'attaquer au combat final contre Saren. Et je ne parlerai plus jusqu'à la fin du jeu, enfin jusqu'au générique. Que vous n'arriviez pas à temps, Shepard. Attends, pourquoi? Mais pour la confrontation finale, voyons. Vous deviez vous y attendre quand même. Vous êtes consciente d'avoir perdu, n'est-ce pas? Dans quelques minutes, Saren aura le contrôle total des systèmes de la citadelle. Les relais s'ouvriront. Les moissonneurs seront de retour. J'ai encore quelques tours dans mon sac. Vous avez survécu à notre rencontre sur Vermir. Mais j'ai changé depuis, je suis plus fort. Saren m'a perfectionné. Vous avez laissé Saren vous modifier? C'est de la folie. Je crois que je vous dois des remerciements, Shepard. Après Vermir, je n'ai pas arrêté de penser à ce que vous avez dit à propos de Saren et de l'endoctrinement. Le doute a commencé à m'envahir. Saren a senti mon hésitation et il m'a conféré des implants pour renforcer ma détermination. Maintenant, mes doutes se sont dissipés. J'ai une foi totale en Saren. Je comprends que les moissonneurs ont besoin d'êtres de chair. Rejoignez-nous et Saren vous trouvera une utilité. Saren vous contrôle par vos implants. Vous êtes aveugle. C'est une relation symbiotique. Un mélange d'organique et de mécanique, l'union de la chair et du métal, le pouvoir des deux sans les faiblesses. Je suis l'incarnation du futur, Shepard, l'évolution de toute vie organique. Tel est notre destin, rejoignez Saren et acceptez cette renaissance. Plutôt mourir que de devenir comme vous. Alors soit, vous allez mourir, vous et tous vos compagnons. Tous vos proches, toutes vos connaissances. Vous ne comprenez pas. Vous allez tous mourir. Rien ni personne ne peut arrêter les moissonneurs, ni les protéins, ni vous. Le cycle est éternel. Saren n'a pas encore gagné. Je peux l'empêcher de prendre le contrôle de la station. Laissez-moi faire et l'invasion n'aura pas lieu. On ne peut pas l'arrêter. Pas indéfiniment. Vous l'avez vu dans vos visions. Vous savez ce qui est arrivé aux protéins. Les moissonneurs sont trop puissants. Il doit y avoir une partie de vous qui comprend que c'est une erreur. Résistez! Vous avez peut-être raison. Il reste peut-être une chance de... Les implants! Saren est trop fort. Je suis désolé. C'est trop tard. Ce n'est pas fini. Vous pouvez encore vous racheter. Adieu, Shepard. Merci.
fichier de données de Vigil a fonctionné. Je contrôle tous les systèmes. Vite, déployez les bras. La flotte peut peut-être abattre Sovereign. Essayez d'ouvrir un canal de transmission. Du Destiny Ascension. Propulseurs principaux désactivés. Barrière cinétique à 40%. Le conseil est à bord. Je répète, le conseil est à bord. Normandie à Citadelle. Allez, dites-moi que c'est vous, commandant. Je suis là, Joker. On a reçu l'appel de détresse, commandant. Je suis dans le secteur Andorra, avec toute la flotte d'Arcturus. On va pouvoir sauver l'ascension, déverrouiller les relais autour de la Citadelle, et on arrive à la rescousse. Êtes-vous vraiment prête à sacrifier des vies humaines pour sauver le Conseil, Shepard ? Cela dépasse l'humanité. Sovereign constitue une menace pour toute espèce organique de la galaxie. Le sacrifice du Conseil est nécessaire à la survie du plus grand nombre. Ne gâchez pas vos renforts pour eux. Attendez que les bras de la Citadelle soient ouverts pour les envoyer. Nous aurons besoin de toute la puissance de la flotte humaine pour affronter Sovereign. À vous de décider, commandant. On sauve l'ascension maintenant, ou on attend? J'ouvre les relais, Joker. Il faut sauver l'ascension à tout prix. J'espère que vous savez ce que vous faites, Shepard. À tous les vaisseaux, sauvez le Destiny Ascension. Commandant, les renforts arrivent. C'est l'Alliance. La déesse soit louée. Absolument le détruire, coûte que coûte.
Sentez-vous sur mon aile. On y va. Ambassadeur, capitaine, commandant Shepard, nous sommes réunis ici pour reconnaître officiellement la contribution des forces de l'Alliance dans la guerre contre Sovereign et les Geths. De nombreux humains ont perdu la vie dans la bataille de la Citadelle. De braves soldats qui n'ont pas hésité à se sacrifier pour que nous, membres du Conseil, puissions vivre. Il n'existe pas de plus grand sacrifice, et nous partageons tous la peine qui vous accable. Le Conseil a également une dette personnelle considérable envers vous, commandant. Une dette dont il ne pourra jamais s'acquitter. Vous n'avez pas seulement sauvé nos vies, vous avez aussi sauvé des billions de vies menacées par Sovereign et les Moissonneurs. Commandant Shepard, vos actes héroïques et désintéressés sont le symbole de tout ce que représente l'humanité et l'Alliance. Et s'il n'est pas en notre pouvoir de ramener parmi nous les vaillants soldats qui ont donné leur vie pour sauver les nôtres, il est de notre devoir d'honorer leur mémoire par des actes. L'humanité a démontré qu'elle était à même de défendre la galaxie. Par vos actions, vous avez prouvé que vous méritiez de rejoindre nos rangs et de siéger à nos côtés au Conseil de la Citadelle. Conseillère, au nom de l'humanité et de l'Alliance, nous vous remercions de l'insigne honneur que vous nous faites et acceptons humblement votre proposition. Nous aurons besoin d'une liste des candidats potentiels au siège concilien de l'humanité. Au vu des récents événements, je ne doute pas que votre recommandation pèse lourd dans la balance, commandant. Avez-vous un candidat à proposer ? Il nous faut un représentant qui ait le courage de ses convictions. Quelqu'un comme le capitaine Anderson. Lui, vous plaisantez ! Anderson ne connaît pas d'autre langage que la Force. Un langage qui vous va bien, ambassadeur. En êtes-vous bien sûr, commandant ? Le capitaine est un soldat, pas un politicien. Il n'y a que trop de politiciens à la Citadelle. Le capitaine conviendra parfaitement à ce poste. C'est un choix judicieux. Si le capitaine accepte cette charge, le Conseil l'accueillera comme il se doit. C'est un honneur, conseillère. En tant que représentant de l'humanité, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour œuvrer à la reconstruction. La défaite de Sovereign marque le début d'une nouvelle ère pour l'humanité et le Conseil. Sovereign n'était que l'avant-garde de l'invasion.
La flotte des moissonneurs arrive. Des centaines de vaisseaux, peut-être des milliers. Et je trouverai un moyen de les arrêter. Shepard a raison. L'humanité est prête à remplir son rôle. Si nous travaillons main dans la main avec les autres races conciliennes, nous aurons la force de relever tous les défis. Quand les moissonneurs viendront, nous devrons être prêts. Il nous faudra faire bloc contre l'envahisseur et ensemble, nous le renverrons au néant. Ça s'assoit Arcturus en arrière-fond. Et c'est ainsi que nous terminons Mass Effect 1, premier d'une. Comme je vous l'ai promis, je vais vous laisser tranquille pour enfin pour profiter de l'ambiance. Donc, en soi, un jeu excellent. Malgré le texte, c'est totalement pourrable. Le jeu est très, très, très. Et je vais vous laisser profiter de la cinématique et de l'ambiance de celle-ci. En soi, qu'est-ce que je peux dire de Mass Effect ? Que ce premier épisode de la saga est très bon. Ça donne envie de savoir la suite. Bon, comme vous voyez, ça se voit à la fin. Il y a des choix que plus ou moins certains prendront. Moi, je préférais défendre le conseil, d'autres ne le défendront pas. Après, c'est tout vos choix. Pour la suite. Mass Effect 2 et Mass Effect 3, je prendrai pour probablement un adepte masculin. Parce qu'apparemment, je me suis rendu compte que ça dérangeait beaucoup de personnes que j'ai dès que la série en prédominance féminine. Ça a dérangé énormément de personnes que ce soit un personnage masculin. Moi je vois pas en quoi ça se dérange en fait.
Mais je trouverai toujours Adepte. D'accord. Adepte est quand même la classe que je trouve bien entachée. Et au moment des tourelquettes, je ne vais vraiment pas le trouver à tout prix pour être un peu sur le même fait. Très très bien passé. Et vous avez vraiment pu faire cette série qui fait son cœur, la sensation que vous avez pour vous en entier. Donc c'est un peu cette fois-ci. Donc c'est pas plus compliqué pour les filmer, mais en soi, ça sera faisable. Toutes ces séries sont prêtes, ne vous inquiétez pas, en attendant. Mass Effect, pour moi, ça se terminera quand j'aurai fait les 3 épisodes, peut-être le 4ème, si c'est bon ou pas. En tout cas, les 2 ou 3 sont déjà prévus, juste que j'ai un bot d'acquisition HD 720p. 1080p ne sera pas possible, pour une bonne simple raison, la PS3 est limitée à 720p, donc je ne peux pas faire une qualité supérieure à ce qui est proposé. Et malgré cela, je pense que vous devriez apprécier la suite. En moyenne, Mass Effect 2, je dois faire une trentaine d'heures, 30-35 heures. Mass Effect 3, je dois faire en 20-25 heures, à peu près. Peut-être 30 aussi, avec le dialogue. Donc vraiment, ça fera largement progressivement. Simplement, j'espère que vous apprécierez la manière dont j'ai tourné cette vidéo. C'est pas mon domaine de prédiction sûr pour les épisodes des jeux de stratégie ou autre. Mais j'adore aussi ces jeux comme ça où derrière il y a une très très bonne histoire de fond. Très intéressante. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu vous présenter ce jeu là. Que je trouve vraiment exceptionnel. Il y a d'autres jeux qui ont une très très bonne histoire aussi. Mais... ça sort de mon genre habituel. Ça intéresse moins de personnes, c'est vrai, mais... faut pas rester sur ses bases. C'est sûr que c'est surtout plus les jeux de stratégie, mais autant prendre tout type de jeu. J'espère simplement que vous m'entendrez vu la musique. Remerciement, bah... en soi, un jeu que je compte. Si vous voulez faire un série Mass Effect, commencez par un, faites le 2 et puis le 3. Ne commencez pas au 2 ou au 3 et faites après le 1 comme j'ai pu faire. Commencez vraiment par le 1. Posez-vous à fond dans l'histoire bien, puis après vous ferez le 2 et le 3 et vous verrez en fait toutes les évolutions d'interface, de jeu, tout ça. Ils sont très agréables en fait au fur et à mesure. Et au final, ça devient juste magnifique une fois que vous avez fini la saga. Vraiment un jeu à ne pas rater pour tous. Je pense que Mass Effect a en quelques entre guillemets marqué les générations pour la particularité du jeu et l'histoire qu'il y avait derrière, vraiment. Tout comme Halo a pu marquer la génération de les jeux Microsoft, je pense que Mass Effect marque que les jeux de ben mi-jeu de rôle, mi-jeu d'action. Voilà, c'est. Ouais, au final, on se rend compte que Diao, dans le 3, auront une très grande importance. J'aime bien la dernière phrase. Quoi qu'il en soit, un excellent jeu. Pour ce qui est du codex, tout ça, j'ai fait quelques. Alors. Beaucoup de personnes m'ont dit ah mais c'est dommage, t'as pas expliqué tout ça. J'ai fait des petites recherches entre temps, pendant le générique, avant que... c'est pour ça que je parlais pas pour un moment. C'est en fait j'ai fait un test avec ça, ça veut dire. J'ai fait un test et je me suis rendu compte, enfin j'ai pas fait un test, j'ai fait une recherche, je me suis rendu compte que le codex est totalement en ligne sur Wiki Mass Effect Wiki.
ces informations du codex, etc., que je vous avais parlé un coup. Donc, pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans le jeu, je vous conseille d'aller sur Mass Effect Wiki. Vous aurez accès à toutes les informations et à vraiment profondément dans l'univers. Moi, j'ai passé ça parce que si en plus vous rajoutez ça, c'est pas 30 heures, quoi, hein, c'est plutôt 40 heures que ça m'aurait pris pour filmer le jeu. Peut-être un peu moins de 40 heures quand même, mais c'est le contenu est vraiment énorme parce qu'en plus, pour ce qui est ambiance, je vous conseille vraiment Mass Effect Wiki. Si vous voulez plus vous plonger dedans, je vous mettrai en lien de description pour y aller. Vraiment, vous trouverez les différents personnages, etc. C'est très très bien fait. Quoi qu'en soit, merci d'avoir regardé cette série avec moi. On se retrouvera pour une autre série prochainement. Je vous dis cet épisode plutôt. On se retrouvera en tout cas pour une autre série prochainement. Enfin, un autre jeu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois, d'ici à portez bien et à tirer tout le monde.